Après, y a, dans l'édition scientifique, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler cet après-midi plus en détail avec un éditeur, mais parfois l'initiative vient de gens qui peuvent être dans l'associatif, dans un certain engagement. Par exemple, Plume de Carotte, que maintenant on connaît, hein, ça avait commencé avec des livres sur le Land Art, des boîtes à graines, quelque chose d'assez ludique. Petit à petit, ça a été des participations avec des herbiers scientifiques qui ont donné ces beaux livres thématiques, mais qui étaient quand même faire sortir l'herbier de Montpellier, enfin, qui étaient des vrais herbiers scientifiques, et d'y redonner goût, en quelque sorte. Et par la thématique, là, je vous ai mis Secrets de plantes retrouvées. Voilà. Et après, il y a eu des livres un petit peu, comme par exemple ce livre qu'ils ont réédité plein de fois, parce que c'était un petit peu novateur à l'époque, parler du biomimétisme, comment la science s'inspire du monde animal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, bah, si on pouvait faire comme les araignées, c'est-à-dire produire un fil à froid très résistant, ça éviterait qu'on passe toujours par la combustion pour construire des choses solides, quoi. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses. C'est l'observation des oiseaux pour l'amélioration peut-être du dessin, enfin, c'est tout un tas de domaines. Et pareil, ils avaient gardé un petit peu ce modèle de planches illustrées, de l'herbier, qui était une vieille forme, en fait, en quelque sorte, de recensement de la nature, pour le faire. Et puis, ils sont arrivés aussi à des formes comme ça, l'infographie, qu'on retrouve, on trouve quasiment chez tous les éditeurs scientifiques, ces livres, l'infographie étant un moyen. Alors, c'est l'infographie, c'est ce qui a permis la database, c'est-à-dire la concentration de données, de permettre de visualiser rapidement une connaissance parfois pointue ou complexe à expliquer par les mots. Voilà. Donc, et puis, aujourd'hui, alors, je vous ai mis une sortie récente de Plume de Carotte, parce que c'est donc un éditeur qui est toujours en collaboration avec des universités, avec des conservatoires. Là, par exemple, ils sortent Réserve naturelle de France. Et donc là, ça va être un petit peu à travers des portraits de ceux qui travaillent dans ces parcs, l'occasion de découvrir les parcs nationaux. Là, ça va être donc Alfred Russel Wallace, un de ceux qui a accompagné les voyages de Darwin, de repartir un petit peu comme ça sur les traces, donc de faire un voyage qui va permettre de découvrir comment on a eu accès à ces connaissances et de les découvrir aujourd'hui dans leur milieu. Voilà, donc ça, c'est des formes, je trouve, assez intéressantes pour le grand public, j'ai envie de dire, en bibliothèque.